Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis revenu donc à Nouméa. Dans la dernière vidéo, j'étais à la Rivière Bleue. Et je peux te garantir que pour se diriger sur une île paradisiaque, quand tu dois passer d'une voiture avec plein d'affaires juste deux sacs, c'est super compliqué. Du coup, je vais aujourd'hui partir sur l'île d'Ouvéa pour environ une semaine à peu près, j'en sais rien, j'ai pas de plan, je vais bien partir en avion car c'est plus rapide. Allez, je t'emmène avec moi. Alors l'aérodrome de Magenta, c'est l'aérodrome qui vous permet d'aller sur les petites îles paradisiaques, les îles Loyauté, les îles des Pins. Si bien sûr vous comptez prendre un vol international, c'est direction Tontouta. Là, je suis avec Thomas. Ça fait longtemps que tu es là, Thomas? Ça va faire 24 ans. 24 ans, d'accord, ok. Bah là, ta voiture, elle a l'air plutôt sympa en fait. C'est même son métier en fait. Il fait tout ce qui est transport, tout ce qui est en fait comme un chauffeur privé. Il commence à développer bien son business. Je vous mets directement le nom de son business juste en bas. Il est extrêmement bien noté sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Ça va, ça marche bien. C'est un peu difficile, mais maintenant que c'est bien lancé, voilà. Comme on dit, il n'y a rien de facile. Allez, on direction l'aérodrome de Magenta pour l'île d'Ouvéa, l'île la plus proche du paradis, les amis. Voilà, comptoir d'enregistrement, regardez comment c'est immense cet aéroport. J'ai failli m'y perdre. Alors attention au niveau du poids, le bagage à main, il doit faire maximum 5 kg. Sachant que mon sac faisait 12 kg, j'ai dû mettre 7 kg pour mon bagage en soute. Très important, 5 kg maximum le bagage à main. Tu confirmes? Yes. Et est-ce qu'on peut s'y perdre dans cet aéroport? Je pense, ouais. C'est immense. Hein. Ouais, immense. Bah allez, moi je commence à stresser, je vais me diriger directement vers l'avion. Apparemment c'est tellement petit qu'en fait on nous donne directement le bagage à l'arrivée. Il n'y a même pas de personne, ça, c'est un truc de fou. Allez, l'aventure va commencer. L'aventure va continuer. Allez, bon trip. Allez, l'embarquement immédiat. Regarde, c'est sur le ticket d'avion. Petit avion local. Voilà, l'embarquement est immédiat. On va enfin prendre l'avion après une bonne heure de retard. Allez, c'est parti les amis. Et voilà, je suis arrivé à l'aéroport d'Ouvéa. En fait, je suis arrivé avec sans aucun plan. J'ai rien réservé de niveau transport, niveau logement. Je vais montrer comment je vais m'en sortir. Là, je viens de discuter avec un local. Je lui ai demandé si j'allais dans le sud. Il m'a dit, bah écoute, pas de problème, je vais juste déposer un colis. Là, c'est vraiment la vraie aventure. Je vais vous la montrer sur YouTube. Et voilà, finalement, bah, ça a été confirmé le stop. C'est assez facile sur cette île. Et là, je vais me diriger sur le seul camping de l'île, si je dis pas de bêtises, tout au sud, près du pont connu de Ouvéa. Ça a l'air magnifique. Et voilà, je suis bien arrivé au camping. Franchement, ça a été super facile. Première personne, je suis arrivé en 15 minutes. C'est un petit paradis, je vous donnerai plus d'informations dans les prochaines vidéos. Là, je suis dans ma tente, il y a trop de vent dehors, c'est un truc de fou, mais les paysages sont extraordinaires. Restez connectés, vous allez avoir de la vidéo visuelle, je vous garantis les amis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre des infos si vous connaissez la Ouvéa, n'hésitez pas à réagir. Et moi je vous en à très bientôt pour une prochaine vidéo, je suis arrivé officiellement au paradis les amis. Allez, salut les amis.